Bonsoir Marie-France. Bonsoir Laurette. Salut, salut, je viens purifier l'atmosphère. Je voudrais rentrer dans la base de tout ce qu'on fait ensemble depuis des mois. Ok? Donc on a notre encens qui est bien allumé. Pourquoi je choisis de parler des choisis à nouveau? Beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur mes vidéos. Et bonsoir les rois et reines. Bonjour Kafui. Bonsoir la reine Linda, la reine Roland. Bonsoir. J'ai décidé de parler encore des choisis. C'était pour. Parce que je veux revenir à la base des choses. Beaucoup d'entre vous, ça fait 6 mois que vous me suivez. Et vous, vous êtes habitués. Vous êtes un peu dans la Russie, la routine. T'as Libreville. Vous êtes rentré dans la routine des choses. Ouais, je sais que je suis choisi. Ouais. Je maîtrise. Ouais. Et tu ne te rends pas compte en fait que être choisi, c'est une mission. C'est un privilège. C'est pour une raison. Donc, je vais vous aider à nouveau à savoir que vous êtes choisi. Ok? Rachel, tu allumes l'encens, ça s'éteint. Va mettre sur le réchaud, tu allumes. Tu laisses, tu brûles sur le réchaud. Je vais voir comment ça va pas brûler. Tu as compris? Vous avez des questions bizarres. Tu allumes ton encens, ça ne s'allume pas, ça s'éteint. Va mettre dans le feu. J'appelle ça le common sense. Donc, bonsoir et bienvenue. Je vous ai annoncé les nouveaux formats. Donne-moi tout et maintenant comme ça. On le donne-moi tout sous cette forme-ci. Il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes que leur chéri. Que quand même, on donne-moi tout, mon mari dit que c'est quoi comme ça. Donc, on a aussi beaucoup d'huiles qui sont sous cette forme-ci. Vous voyez. Donc, on a choisi ça parce que c'est facile à prendre. Ah, c'est l'huile d'attirance. Voilà le donne-moi tout. Donc, je vais parler des choisis. Donne-moi tout, tu le prends comme ça. Tu mets juste une goutte là. Une goutte là. Vous voyez comment ça coule, non? On peut facilement le mettre. Mets une goutte ici. Vous voyez? Merci la reine Mireille. Merci la reine Michel-Ange. Justement, c'est pratique. Et c'est petit, ça peut aller dans ton sac. Tu glisses ça dans ton sac. On n'a même pas écrit donne-moi tout dessus. Donc. Je crois que je vais faire qu'on mette le mot donne-moi tout. Parce que vous avez les Decepticons. Donc si vous achetez, quand on mettra les traits, je préfère que tu enlèves, tu retires l'étiquette, tu as les Decepticons. Ok? C'est-à-dire que tu as Mariticon. Donc, il prend ton truc, il voit seulement des gifs. On a mis deux gifs d'Academy dessus. Vous voyez? Des gifs d'Academy, numéro de téléphone. C'est tout. Donc, je pense quand même qu'avec ça, on peut quand même passer inaperçu. Vous voyez? Mais là, une goutte là. Voilà, commençons donc. Je vais donner quelques signes. Merci, la reine Rachel. Je vais vous donner quelques signes, mais avant ça, je vais prier. Ok. Bonsoir la reine Colette.
Bonsoir au choisi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Je te remercie pour chaque personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, je te confie chaque femme, chaque homme qui est connecté à cette vidéo. Seigneur, je demande que tu leur apportes les réponses à leurs questions. Ceux qui étaient perdus, qui n'arrivent pas à sauter, à faire le pas. Ceux qui n'arrivent pas à se lancer. Ceux qui n'arrivent pas à croire en ce que tu as dit d'eux. Je viens briser toute fondation maléfique. Je dépose en eux la prospérité. Je déclare qu'après ce que je vais dire aujourd'hui, vous allez voir et vous allez comprendre qui vous avez été créé pour être au nom puissant de Jésus. J'enlève l'ignorance de votre esprit. J'enlève le découragement de votre esprit. J'enlève la faiblesse, la fatigue, la lourdeur de votre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit familial, générationnel, venant de vos parents, de vos grands-parents. Je remonte sur cette génération. Je déclare que vous serez le premier milliardaire de votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'on va plus se moquer de vos dents, parce qu'ils connaissent vos dents. Ah, elle a les dents. Elle n'a pas 5000. Je déclare que la saison où on se moquait de vous est passée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'enlève tout voile qui a été mis, tout voile maléfique. J'enlève toute émotion ancestrale. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de maux de tête, le mal au cou, mal de cou. Je viens soigner les manipulations, je vous libère des manipulations de l'ennemi. Tout agent du diable dans votre vie, je déclare qu'ils sont décelés, ils sont démasqués et ils sont abolis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Ken. Like, share, partagez, vous commentez. Voilà l'huile, l'attirance. Les huiles, si quand vous les mettez, vous pouvez toujours... On a vraiment fait ce format pour que ce soit facilement applicable. Hein. Vous voyez, voilà l'huile. Et l'huile, quand tu mets, je demande aussi que tu mets sur ton front. Tu prends avec trois doigts. OK? Trois doigts. Un. Deux. Trois. Trois doigts. Un. Deux. Trois. Soignez aussi vos gorges. Je libère votre parole. Je vous sors de tout sommeil. Je déclare que ce ne sont plus les gens qui vont vous dire vos dons, mais vous-même, vous allez dire ce que vous savez faire. Au nom de Jésus. Je vous libère, je vous sors des sables mouvants dans lesquels on vous a déposé. Ces sables mouvants qui ralentissent votre vie. Pendant que vous soignez votre front, je déclare que toute sueur venant de l'ennemi qu'il a mis sur vous, j'enlève maintenant cette sueur au nom puissant de Jésus. J'ouvre vos dents. Il y en a parmi vous que tu peux devenir belle. Tu peux être laide aujourd'hui, demain tu deviens belle, subitement. Parce qu'il y avait un voile de laideur sur toi. Allez, frottez la main comme ça, j'enlève tout voile de laideur sur vous. Au nom puissant de Jésus. J'enlève tout voile de laideur sur vous au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent les périodes de découragement, j'enlève le voile de découragement de votre esprit. Je commande à tout voile noir qu'on a mis sur vous dans la nuit, toute prison dans laquelle on vous a mis, je vous enlève de là au nom de Jésus. Je parle à vos os. Je commande à vos os de se lever. Levez-vous de ce trou où on vous a mis. J'enlève la paresse sur vous. La paresse là, je l'enlève. Allez dans la chambre où il y a la marchandise que vous avez achetée depuis là. Allez. Ouvrez la porte, la prenez le sel, vous versez au sol. Au nom de Jésus. Tu voulais faire le commerce en ligne, tu as acheté la marchandise, c'est au sol. Tu n'as pas le courage de poster sur tes pages. J'ouvre maintenant ta lumière. Je déclare que tes clients se rappellent de toi au nom de Jésus. Prenez le sel, vous versez dans la chambre là, là où il y a la marchandise. Répétez les mots que je dis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth et au nom de la reine Jocelyne, je te commande à toi, marchandise, d'être vendue dans les deux semaines qui arrivent.
Continuez à le répéter. Toute personne avec laquelle j'ai commencé à parler, si vous avez le nom, dites le nom. Je remets notre deal sur la table. Et je déclare que tu achètes ce que tu avais prévu acheter. Je libère l'argent qui est caché, qui est enterré dans la main de mes clients. L'argent de mes clients qui est bloqué. Je débloque cet argent. Je te commande à toi, marchandise. Ce sont les mèches. Parlez à vos mèches là. Mèches, je te commande d'être vendues aujourd'hui. L'argent vient. Je suis là pour vous ressusciter aujourd'hui. Levez-vous. Tu vas passer toute la journée. Je vais faire comment pour avoir l'argent. Yeah, 3 millions et 5 000 euros, je vais trouver où? J'enlève tout voile qu'on a mis sur vous. Tout fardeau. Tout alourdissement. Vous savez que les périodes les plus difficiles, c'est les fins de mois, non? N'est-ce pas? Hey, Karababou, Chantarabasso. Oh, Mamma Mia, je sens ça dans moi aujourd'hui là. Mince. Pardon, recevez. Recevez. Voilà, le donne-moi tout. Tu mets ça sur ta main. Le donne-moi tout, c'est 10 000 francs. Il y a pour 10 000, il y a pour 15 000. Parlez à vos mains. Je bénis les mains si je bénis. Je bénis. Avant le 30 juin, j'appelle mes promesses là. Tout l'argent qui est dehors qu'on m'a promis. Oh, c'est moi qui poursuis toujours. On me dit, ouais, tu m'embêtes. Ouais, je sais que je te dois, non? Je commande à toutes les personnes qui me doivent de l'argent de se rappeler de moi cette nuit. Vous rêvez de moi, c'est le nom de quelqu'un en particulier. Esther Niaga, toi qui as pris mon argent. Tu ne vas pas avoir le repos tant que tu ne remets pas mon argent au nom puissant de Jésus. Prononcez le nom de ces gens-là ce soir. Je mets le jugement sur eux. Christian Wapi, voilà. Voilà deux personnes qui m'ont pris de l'argent récemment. J'appelle vos noms. Si vous êtes dans n'importe quel coin de la terre, je vous soulève de là. Vous n'avez pas le repos tant que vous ne m'appelez pas pour donner mon argent. Au nom de Jésus. Voilà. Toute personne qui a pris ta marchandise, il s'est assis sur ça. Prononcez le nom ce soir. Mince, je ne fais jamais les jugements. Je vais faire ça aujourd'hui. Allez-y. Ce n'est pas ce que je devais faire dans le direct, mais je sens qu'il y a des gens que je dois libérer ce soir. Tu tournes, tu contactes la personne. C'est ton agent, hein? La personne lit tes messages et te bloque. Tu viens aussi lire tes messages et te bloque. Mince, on est où? Prononcez le nom. Appelez le nom là trois fois. Appelez ça trois fois. Esther Niaga. Tu me remets mon argent au nom puissant de Jésus. Prononcez-moi le nom de ces personnes-là. Claude, ne te dérange pas, tu as compris? Tu as compris, non? Dégage. Si quelqu'un est pauvre, il quitte de mon direct. Vous avez suivi, non? Tu es pauvre, tu quittes de mon direct. Tu quittes. Parce que si tu commences ton business, quelqu'un vient prendre ton fonds de commerce, il va s'asseoir sur ça, ton business ne va pas avancer. Je dis que je prononce le jugement aujourd'hui. Tout nom que vous mettez dans ce direct, j'envoie les anges. Moi, vous avez pour vous, j'ai pour moi. Ma part, c'est mélange à pour vous. Je déclare que ces personnes n'ont pas la paix. Et je vais prolonger ça sur cette génération. Partout, ils vont partir. Quand ils seront bloqués, on va dire que c'est quoi? Tu te rappelles quand tu avais pris l'argent de la fille là, non? Tu te rappelles l'argent de la fille là? Voilà. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Je crois que je suis entré dans une dimension de mon ministère ce soir. Je suis passé dans la phase de jugement. Et ça, c'est très grave. Parce que même quand je ne juge pas les gens, les personnes sont là maudites. Quand je ne juge pas, sans que je n'ouvre ma bouche, la personne souffre déjà. Ouvrez vos bouches sur les gens qui ont votre argent. Seigneur, tu ne donnes pas le repos à tel homme ou telle femme tant qu'il ne me donne pas mon argent. Et je déclare que cette nuit, envoyez-vous.
anges. Envoyez les anges là ce soir. Envoyez. Foucault Victor, remets l'argent de cette personne au nom puissant de Jésus. Papy Claude, un Maroc, remboursez-les. Je déclare la faillite sur vos sociétés tant que vous ne remboursez pas ces personnes au nom de Jésus. Vous savez, l'ennemi sait qu'il doit trop jouer avec les enfants de Dieu. Quelqu'un me dit hier, un enfant tient, la personne me dit que dans la Bible, le prophète prononçait le jugement. Un jour, il y avait un prophète qui marchait. Il avait une tête rasée. Une tête rasée, hein? C'est un jeune passe. Regarde sa tête comment c'est rasé. Le prophète dit, ah. Ah bon, hein? Hein? Il les a maudits. Prochain arrêt, ils ont vu l'ours. L'ours les a dévorés, déchiquetés. Bébé To, je déclare que Petit n'a pas de repos tant qu'il ne remet pas ton argent. Moussa, tu n'as pas de repos tant que tu ne remets pas l'argent de Didier au nom puissant de Jésus. La dette non remboursée, c'est quelque chose que c'est dans toi. Tu restes comme cela. Dans la nuit, tu tournes. Tu tournes. Et l'autre personne, peu importe comment il est de son côté, mais toi, tu n'as pas la paix. Et vous savez, les chrétiens ont cette tendance à toi. Non, Jésus a dit, si on te gifle ici, tu donnes encore l'autre. Non, je suis passé dans une autre dimension ce soir. Non, ce n'est pas qui n'ont pas. Flore, quelqu'un t'a encore dit qu'il n'a pas l'argent, après tu te rends compte qu'il a acheté la Bible pour partir à un mariage. Hein, ma chérie? Fabrice Molico, tant que tu ne remets pas l'argent de la grâce lumière, oui. Toute société qui vous a embauché et qui ne vous a pas payé, Nyangono, Minye, Joël, rembourse les 100 000 de Carole Okono. J'envoie les anges vers toi. Dans le bétain, remboursez les gens de ces personnes-là. J'envoie le feu sur vous. Le feu. Vous n'aurez pas la paix dans votre esprit. Ils vont dormir, c'est votre visage qu'ils vont voir au nom de Jésus. Vos patrons-là. L'heure de la gloire, le soir, c'est là. Laissez-moi le sel là. Écoutez. Prononcez-moi les noms là. Vous savez que moi, généralement. Il dit que non, laisse non. Non, c'est fini. Celui qui cherche sa mort derrière moi, il va trouver. J'ai dit que, écoutez. Si c'est la mort qu'ils veulent, ils vont trouver la mort. Oui, ils vont aller attendre là-bas en enfer. Oui. Attends le jugement en enfer. Marie-Thérèse Etegbo, oui. Jesse et Charles, remettez l'argent de Marie-Emma. Je déclare en m'accordant avec Marie-Emma, en m'accordant avec Kiki, je déclare. Jésus a dit que dans la bouche de deux personnes, toute parole est accomplie. J'envoie les anges sur Emmanuel Jérémy Mbaga. Remets l'argent de la grâce lumière. Je prononce le jugement sur vous aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un que vous avez utilisé, vous ne l'avez pas payé. Mona rembourse son argent au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu. Vous n'avez pas la paix. Je vous dis que... Parce que quand quelqu'un te doit de l'argent comme ça, là, il y a le genre que tu avais tort, mais tu ne sais pas si. Mais il y a le genre que tu fais le service. Comme tu n'as pas de compte bancaire en Europe. On met ton âne à le tronc de la personne. La personne prend les champs, il fuit. Ouais, Seigneur, tu as fait quoi à la personne? Joachim, on t'a fait quoi? Remets les 200 000. René Tika, remets les 900 000. Elvis Garden,
Bulle honorée. Kalindo Judith. Et je vous libère de tout esprit. Tout esprit qui fait que quand les gens arrivent sur votre argent, ils pensent que c'est votre argent qui est bon pour qu'ils mettent dans leur poche. Je vous libère à jamais et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Non, ni Jean Bertrand. Remets l'argent de chance, maman. Au nom de Jésus. Roland, écoute, un jour on a eu cette conversation, ça fait peut-être un mois et demi. Aujourd'hui, là, j'ai l'autorisation. J'ai le feu vert. J'ai le feu vert, ma chérie, et je m'accorde avec toi. Avant, le jugement, là, prenait du temps. Parce que la bouche, c'était pas sorti de notre bouche. Le soir, si je vous dis, ho-ha. J'ai dit, ho-ha. Vous allez seulement entendre. Je vais commencer à avoir les témoignages. Kowo, il m'a dit que, pardon, donne-moi ton compte, ton Orange Money. Kowo, je ne dors plus la nuit. Tu m'as fait quoi? J'envoie le feu sur vous au nom de Jésus. J'envoie le feu. Non, ce ne sera plus ma sueur que vous allez prendre au nom de Jésus. Écrivez là-bas que ma sueur, vous ne prendrez plus ma sueur au nom de Jésus. Ali, remets les 100 000 francs d'Aline, même si c'est 5 000 francs. Écoutez bien, c'est terminé. Et désormais, les 4 550 euros, Pamsi Caroline, comme je prononce ton nom comme ça, j'envoie les anges sur toi, j'envoie le feu sur toi au nom de Jésus. Madouchi, remets l'argent de Cécile au nom de Jésus. Ali, est-ce que vous savez que les sommes que vous dites là, c'est la sueur de votre front? Est-ce que vous savez? Jean-Jacques Fit, remets les 6 millions de Gladys Chona au nom de Jésus. Axel Raïssa et Kémé. Tout nom que vous avez écrit ici, même ce que vous prononcez dans votre cœur, j'envoie le jugement divin sur ces personnes. Mana Alain Charles, remets les 3 millions de francs CFA de l'or la merveille. Flore la merveille. Est-ce que vous savez que c'est votre sueur? Mince! Économise, tu fais 2 ans, tu mets ton argent de côté, tu te prives, tu ne manges pas, tu pars à la tontine, tu donnes. Quand les gens bouffent, tu ne bouffes pas. Mais les sommes que vous mettez là, ce n'est pas 5 000. J'ai encore vu 5 000 là-bas. Je dis que, écoutez, même si c'est dans 75 ans qu'ils remettent, je déclare qu'ils vont passer 75 ans de tourment. Je déclare ça maintenant. Au nom de Jésus. Je ne dors pas. Je suis en bain ici là, je souffre. Tu peux... Mince. Quel culot. Elle va même faire quoi? Elle va faire quoi? Écoutez, ma maman, même ma part, je sais que même ma paix est résolue. Je sais que même ma part là, je sens que ça dans moi ce soir. Chandarakasu karabakasa karakasante. Rekosokoto rabakashikata. Les crossokoto, je déclare qu'on ne prendra plus votre sueur au nom puissant de Jésus. On ne va plus venir vous semer, ça disparaît au nom de Jésus. Votre argent ne va plus disparaître de votre compte bancaire. On ne va plus déposer votre argent à quelqu'un que prends, tu vas donner à telle personne. Ça disparaît en route au nom de Jésus. Kenfak Jean-Paul. Minye Onana Joseph. Comme je m'accorde avec la grâce lumière, je déclare que tu n'as pas de repos tant que tu ne rembourses pas son argent. Même si c'est les Arabes, ils vont vous rembourser l'argent. Mais, tu fais 3 ans, tu avances. Youp, tu es en arrière. Est-ce que vous pensez même à la sensation de ça? Mais, oh, je mets un extra, je mets encore une dose supplémentaire. Quand il faut que Vivienne remet les 830 000 de cette personne au nom de Jésus. Écoutez bien, écoutez. Écoutez. Toutes ces personnes qui vous ont, vous avez le bon cœur. Ouais, prête-moi l'argent, je vais lancer mon business. Écoutez, ça c'est pour eux. Ah, maman, je ne sais pas sur qui ça va tomber là maintenant. Si c'est que c'est la mort que les gens la veulent, recevez ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mais c'est quoi ces affaires-ci là? Tu fais 3 ans, tu avances un peu.
Tu regardes là, ça te plaît chaque jour, ça te plaît. Quelqu'un vient avec les larmes. Ou bien un gars vient, il te parle, il te fait un jar. Vous couchez ensemble 2 semaines. Il porte ton âge, il part avec. Mince. Tu l'as habitué que tous les 6 mois, tu reprends. Parce que tous les 6 mois, quelqu'un vient prendre ton argent. Tous les 6 mois, quelqu'un... C'est quoi? J'ai dit que Foku Victor, Moussa, remettez l'argent de Didier Soleil au nom puissant de Jésus. Sinon, ça se transforme en malédiction, comme c'est dans votre poche là. Que les 12 000 euros de chevalier lui reviennent. Lui le honorer. Tu n'auras pas le repos tant que tu n'as pas rendu l'argent de chevalier au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui voit vous avez posté dans ce direct, qui va vous intimider, qui va aller vous faire du mal, en avance, je déclare que je retourne ces incantations à l'envoyeur. Prenez une bouteille d'eau. Prenez la bouteille d'eau. Mince, c'est même quoi cette affaire-ci? On est venu souffrir pour vous. Tu sais ce que les 1 million là font dans mon business en un mois? Mince, Sorel, 20 000 euros. Même si tu as pris le crédit à la banque, tu sais combien de temps tu as fait pour rembourser les 20 000 euros là? George Guy Happy, t'as fumé. Je déclare que tu ne vas aller dans aucun endroit. Même si vos personnes qui vous doivent de l'argent là partent pour vous faire aller pour vous faire du mal. Je retourne ça à l'envoyeur. C'est ce que je vais annuler maintenant là. Je vais annuler ça. Parce qu'il y a des marabouts qui peuvent que tu passes chez lui, tu dis, wow, je dois l'argent à telle personne. Je veux que, comme je lui dois là, qu'il oublie. Je vais annuler le rituel là maintenant. Prenez-moi l'eau là, s'il vous plaît. Prenez aussi le sel. Je vais vous attendre. Allez-y. Il y en a qui passent sur le marabout pour vous éblouir. Oui. Après, vivez encore l'autre dessus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, votre cœur est blindé, stérilisé aux influences et aux manipulations de ces personnes qui prennent votre argent. Je déclare que votre 5 francs ne sortira plus. Le plus pire, c'est quand quelqu'un te doit de l'argent. Il vient, il te raconte des choses. Tu embantes l'argent sur ce que la personne te doit. Mince. Guy Bilon Poix, remets l'argent de la grâce lumière. Mince. Donc, quand pour ton argent, il est parti enterrer sa mère avec. Il revient, il t'oublie. Nous allons prier sur la tombe de cette personne qui est morte là. Toi, dans le séjour des morts là, parle à ton enfant. Parle dans son rêve, tu lui parles. Qui remet l'argent de cette personne. Oui. Au nom de Jésus. Mince, les chrétiens, c'est quoi avec vous? C'est quoi? Tu ne peux pas avancer? What the foot? Non, ça va, je vais faire l'autre. Je vais encore travailler l'autre, ça va. C'est fini. D'accord. Et toi, tu es bien concentré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'eau. Parlez sur cette eau. Au nom de Jésus. J'ai moi dit que Dieu m'a dit d'apporter la Bible aujourd'hui. Il disait que, mais Seigneur, je viens parler des choisis. Tu me fais prendre la Bible comment? Allez-y. Deutéronome 28, verset 7. Vous pensez même que quoi? Hein? Je prends 1 million. Tu sais ce que tu peux faire avec 1 million là? Tu sais ce que je peux faire avec? Hein? Tu peux acheter la voiture. Te voilà qui est tout piéton. Tu pouvais aller payer ton voyage pour aller en Bénin. Te voilà qui est encore à Douala. Tu pouvais aller, hey, Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est bon. Je vais commencer par le psaume 35 d'abord. Parlez sur cette eau. Éternel, combat ceux qui me combattent. Que toute personne qui s'est placée et a parlé contre moi, toute incantation qui a été faite contre ma vie pour m'affaiblir, pour que je n'ai pas la force pour demander et réclamer mon argent, je les annule de mon corps, de mon esprit, de mon aura, au nom de Jésus. Seigneur,
saisis le petit et le grand bouclier. On lit le psaume 35. Papa, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Prononcez-moi les noms là. Esther Niaga. Wapi Christian. Prononcez-moi les noms là. Seigneur, tu es mon salut. Que ces personnes soient honteuses et confuses. Ceux qui en veulent à mon argent. Au nom de Jésus. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. J'envoie l'ange de l'Éternel qui les chasse. Vous pensez que David n'avait pas la vengeance dans son cœur? Oh! Lisez-moi la Bible. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu un piège. J'ai pris mon argent, je l'ai donné. Parce que je leur faisais confiance. Verset 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le propre filet qu'ils ont tendu. Après qu'ils m'ont rendu mon argent. Que ce qu'ils m'ont fait là, qu'on vienne leur faire sa fois 10. Hoha! Et mon âme aura de la joie. Pourquoi c'est quand ton ennemi tombe que tu es content? Le goût de ça. Et je déclare que ça va. Vous allez voir leur chute. On va vous dire, vous allez voir. On est habitué qu'ils te doivent de l'argent, tu ne leur dis jamais. Tu as même peur de demander ton argent. Nawati. Dès que tu le vois. Vois-tu là? Ouais, je voulais même t'appeler depuis. Je suis pressé. C'est quel culot ça? Tu me dois de l'argent. Attendez. Je vous dis que. Écoutez bien. Vous allez voir. Vous allez voir. Je n'ai jamais prêché sur ça. Hein. Jamais. Verset 9. Mon âme aura de la joie en l'Éternel. On va aller donc au verset 19, psaume 35. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, moi, Jocelyne Nyoguem, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause et qui ont pris mon argent ne m'insultent pas du regard et qu'ils me remboursent. Qu'ils me débloquent cette nuit et qu'ils me supplient. Qui me rembourse mon argent. Peu importe les montants. Je préfère que ce soit en cash et en une fois au nom puissant de Jésus. Verset 22. Verset 20. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Parfois en te bloquant comme si tu insultes. Ah, elle embête, elle dérange. Elle nous voilà, ah, hein. Ha, hé, hey, ha, hé, ha. Ha, tu prends mon âme. Tu me fuis. Tu me bloques. Tu m'insultes. Continuons notre jugement. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Verset 22. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu. Mon Dieu, mon Seigneur, défends-moi. Qu'il n'ait pas de repos tant qu'ils ne m'ont pas remboursé mon argent. Verset 26. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de ton malheur. Je viens vous revêtir de l'ignominie et de l'opprobre. Toute personne qui s'est élevée contre moi. On va aller de Deutéronome 28 au verset 7.
Éternel, j'ai la victoire sur tout ennemi qui s'élève. Répétez toujours, contre moi. Toute personne qui est sortie contre moi par un chemin. Je déclare que vous vous enfuyez par la puissance du Saint-Esprit que je reçois à l'instant. Parlez. Peu importe l'heure où vous écoutez ceci. Je sens une puissance. Je sens comme... Je dis que... Oh, Shandaraka Sakata. J'ordonne maintenant à la bénédiction d'être avec moi. Dans mes greniers. On va aller au verset... 12. Deutéronome 28, verset 12. Éternel, j'ouvre ton bon trésor maintenant et je déclare que le ciel, là, je reçois ce qui est dans le ciel. Je reçois la pluie dans mon temps. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je prêterai à beaucoup de nations et je n'en prêterai pas. Je déclare que comme j'ai prêté, ces personnes me rendent maintenant entièrement en une fois. En cash. Au nom de Jésus. Déclarez sur l'eau là. Si vous connaissez les noms, vous prononcez le nom. Si vous ne connaissez pas, toute personne qui me doit, même si tu m'avais volé sans que je ne connaisse, tu reviens ici là me remettre en me suppliant. Si tu m'as volé, si tu as pris mon argent, tu as demandé, je t'ai donné. Je t'ai emprunté. Si c'est que tu vis et que tu bois l'eau, même si tu es déjà mort, je déclare que tes biens qui restent là, on me remet ce qui me revient de tes biens. L'eau. Si c'est que effectivement tu es sur cette terre et que tu bois de l'eau pour vivre, comme je bois cette eau-ci, il y a des cas que tu n'auras pas la paix tant que tu ne m'as pas donné mon argent. Tu verses l'eau au sol. Je déclare que mes ancêtres sont témoins de ce qui est en train de se passer maintenant. Prenez le sel là, vous allez mettre ça autour de votre lit. Vous allez mettre vous allez mettre le sel autour. Et vous allez mettre aussi un peu d'eau autour de votre lit. Pendant que je dors, voilà ce que vous allez dire. Je commande à tout ce qui a été posé dans mon corps pour me contrôler à distance. Toute manipulation de l'ennemi, de qui que ce soit, pour m'empêcher de réclamer mon argent, pour m'empêcher d'avoir la santé, pour être en forme et aller demander mon argent. Je déclare que j'en suis libéré à l'instant. Pendant que je dors, vous opérez, vous retirez toute peur que j'avais en moi. Et j'envoie mes anges. Quand vous allez localiser les personnes qui me doivent. Que ce soit les sociétés, les entreprises. Je déclare que les gestionnaires de ces entreprises-là n'auront pas la paix tant qu'ils n'auront pas vu mon dossier. Ils ne m'auront pas donné ce qui me revient de droit. Au nom de Jésus. Pardon. Amen. Si tu as le donne-moi tout, tu prends, tu mets une goutte, tu le donne-moi tout là, tu mets ça une goutte sur la langue. Je déclare que votre saison de multiplication est arrivée. Toute personne qui puisait dans vos poches, par les emprunts, par les pertes, par les investissements qui tombent à l'eau, je déclare que le dévoreur ne passera plus dans vos poches à partir d'aujourd'hui. Selon Amos chapitre 9, la Bible dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je déclare, selon Amos 9, verset 11, que le temps est arrivé. Toi, toute personne qui s'accorde avec moi, toi, je te relève de ta chute. Je répare les brèches de ta vie. Tout trou par lequel ils entrent pour prendre ton argent. Les souris, les rats qui viennent prendre votre argent la nuit.
Je te rebâtis comme tu étais autrefois. L'argent que tu avais commencé à avoir, ils sont venus prendre. La gloire que tu avais commencé à avoir, ils sont venus prendre. Je déclare que tu possèdes le reste de la terre. Je déclare que le laboureur suivra de près le moissonneur. Aucun de tes investissements ne sera perdu. Je déclare que celui qui foule le raisin va suivre celui qui répand la semence. On ne va plus venir voler ta semence. Tu sèmes, quelqu'un vient, il prend, il part avec ton business chute. J'annule et j'inverse tout effet néfaste, similaire qui a été fait dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Je vous plante maintenant et je déclare que vous ne serez plus jamais arraché. Vos activités vont aller dans l'ordre croissant. Au nom de Jésus. Tu dois aux gens. Hein. Alors que tu as ton agent dehors qui pouvait rembourser la dette là. On court derrière toi, paye-nous 5 000 euros. Les gens dehors te doivent 15 000 euros. Je déclare que c'est la fin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais vous présenter les nouveaux kits. Je vais vous présenter le nouveau Donne-moi tout. Pratique, facile à utiliser. C'est sur la langue. C'est dans ton bain. Mets dans le bain. Voilà un nouveau kit. Donc, ça c'est le kit d'attraction. Il y a le kit déblocage plus plus. C'est là. On a le kit commerce, le kit fondation. Voilà le kit commerce. Voilà tout ça. Le kit commerce est là. Pour ceux qui ont les business. Puis le kit fondation. S'il y a les gens à la maison, tu peux te lever à 3 heures pour faire, sans souci. Le reste d'eau qu'il y a dans la bouteille, ceux qui me suivent souvent, cette eau, tu peux, si elle a été bénie, tu peux verser au centre de ta maison. Tu verses un peu. Merci, nickel. Donc, tu peux verser un peu au centre de la maison.
en parlant. S'il y a tout mauvais esprit de la maison, tout mauvais esprit qu'il y a dans ta maison, tu te demandes de partir. Donc les kits sont là. Et là, quand vous ouvrez, vous avez tous les produits à l'intérieur. Ils sont là. Voilà. On n'envoie pas DHL tout en Europe, hein, aux États-Unis. Les lavages à distance se feront lundi. Et le premier, vous pouvez vous enregistrer pour le lavage du premier. Le premier, il y a lavage. Donc le premier, on fait le lavage. Vous pouvez venir à Libreville ou bien vous pouvez venir à Douala pour le lavage. Le coffret du kit commerce au Cameroun coûte 65 000. Kit fondation, 55 000. Certains kits ont changé de prix. Oui, parce que j'ai mis vraiment... Je suis en train d'upgrade. Alors, donne-moi tout de 10 000. Bon, ça n'a pas changé. Il y a les huiles aussi. C'est peut-être l'huile d'attirance. C'est les deux comme ça. Il y a les bâtons de commandement. Il y en a qui n'ont pas de forme. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le lion. Certains bâtons de commandement n'ont pas de forme. Donc, le bâton est comme ça. C'est rond comme ça. Donc, il n'y a rien dessus. Donc, pour le lavage à distance, c'est 33 800. En France, CFA. Vous en voyez. Il y a beaucoup de témoignages de lavage à distance. Beaucoup. Les femmes qui ont lavé leur mari à leur insu. Les messieurs à la promotion au boulot. Les femmes qui ont lavé leur mère à leur insu. Et tous les frères qui étaient fâchés avec la mère viennent maintenant demander pardon à la mère. En euros, le kit commerce, c'est si tu achètes ça en France, c'est 150 euros. Tout inclus. Et le kit fondation, je pense que c'est 150 euros aussi. Hein. Donc, il y a les numéros des représentants, vous pouvez prendre ça là-bas. Merci pour la bénédiction. Non, il n'y a pas de bâton de commandement en agneau. On soit le roi parfait, Cyril.
Bon, je pense que là, c'est bon. Donc, vous pouvez passer une bonne soirée. Et allez faire les prières que je vous ai montrées.